Patrick Tonnet, bonjour. Vous êtes président d'Onovadis, présent donc sur Documation. Vous présentez une solution en partenariat avec Ricoh. Comment se situe ce partenariat ? Alors, c'est un partenariat de longue durée, puisque ça fait plus de 10 ans qu'on travaille en étroite collaboration avec Ricoh. Et Ricoh commercialise notre solution qui s'appelle DocuMind, qui est orientée PME-PMI et collectivités locales. Donc avec des budgets qui sont assez serrés, mais qui en même temps peuvent représenter des périmètres fonctionnels assez larges. Les clients viennent vers vous en tant que Ricoh ou en tant que DocuMind plutôt, ou c'est les deux à la fois qui les intéressent? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est là où on se rend compte que le marché a évolué. C'est qu'aujourd'hui, les clients peuvent parler de solutions de gestion électronique de documents aux commerciaux de chez Ricoh. Et la vente de la machine devient secondaire par rapport à la solution logicielle. Et ça, c'est quelque chose que les constructeurs avaient anticipé déjà depuis pas mal d'années et qui se vérifie aujourd'hui sur le terrain. Vous êtes très orienté sur la cible des PME. Pour les PME, est-ce que gestion de contenu est un terme qui parle ou est-ce qu'il vaut mieux parler de gestion électronique de documents ? Alors justement, on revient au basique et on parle effectivement de gestion électronique de documents, gestion électronique de dossiers. Parce que ça parle aux PME et je pense qu'il faut proposer des solutions qui soient simples, conviviales, tout en étant puissantes, mais qui répondent aussi aux attentes de nos clients PME. Onovadis, grâce à Ricoh, a une présence maintenant totalement entière sur le territoire national. Oui, on couvre l'ensemble du territoire. Ricoh est un groupe important et donc on est en soutien des équipes de vente et des équipes techniques de Ricoh. Ce qui explique qu'on a doublé nos effectifs en 2 ans. Donc on a une croissance intéressante, assez forte, et qui correspond aussi à l'évolution de la demande dans les PME-PMI. Les PME nous sollicitent sur les solutions de GED, et sollicitent notamment Ricoh, alors qu'auparavant, il fallait évangéliser le message pour leur expliquer ce que c'était qu'une solution de gestion électronique de documents. Aujourd'hui, ils ont compris qu'on pouvait faire des gains de productivité avec des solutions de ce type. Et donc, ils nous sollicitent pour justement améliorer le service en interne et en externe pour ces sociétés. Et la productivité est effectivement au rendez-vous ? Elle est vraiment au rendez-vous, surtout si on a des sociétés qui ont plusieurs sites représentés en France. Évidemment, avec la dématérialisation du document, on va pouvoir, je dirais, partager les informations sur des différents sites, valider des documents, gérer la connaissance ensemble. Et effectivement, ça génère quand même beaucoup de gains de productivité et les sociétés s'en sont rendues compte. Et comment voyez-vous les évolutions pour la gestion de contenu et la gestion électronique de documents ? Aujourd'hui, on va vers la mobilité. Donc, il faut accompagner ce mouvement et proposer des solutions qui soient accessibles par tous les supports qui puissent exister. Mais du coup, est-ce qu'on ne va pas s'éloigner un petit peu des questions de bureautique ? Non, parce qu'on est, on est en mode cloud. Donc, c'est-à-dire qu'on va proposer des solutions hébergées avec nos partenaires. Donc, on s'exonère de toutes les problématiques matérielles et pour apporter un service à nos clients lié à la consommation effective qu'ils en feront de nos solutions. Donc, je pense qu'on va vers... je dirais, ce qui est un mouvement naissant, mais qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Donc on accompagne ce mouvement avec nos solutions. Merci Patrick Tonnet. Merci.